Bon, 30e édition Livre en Folie, son plaisir pour nous participer comme partenaire, comme Fonds national de l'éducation, parce que c'est promotion livre, c'est promotion connaissance, c'est promotion savoir, et éducation faite à travers les textes, les ouvrages. Et en même temps, tout, nous profiter de l'occasion ça pour Fonds présenter davantage réalisation de différentes activités. Et ça fait que on prend que ça, on a regardé affichons, nous avons différentes écoles nous construit, on a Flaes qui l'a et qui ressemble l'information qui baille, côté nous impliquer dans la question cantine scolaire, côté nous impliquer dans la construction mobilier, côté nous subventionner études à l'étranger, côté nous payer un ensemble de contrats pour le ministère là par rapport avec professeurs et gardiens ménagères dans le pays. Et en même temps, côté nous payer un ensemble de frais qui fait élimination de frais scolaires. C'est-à-dire que les gens dans l'école publique et nationale, ils ne peuvent pas payer comme d'entrée encore. Ces fonds sont payés directement pour eux. C'est-à-dire, je dis à son occasion pour nous exposer davantage, pour nous faire communauté à société, parce que c'est pour société à notre travail, qu'on ait différentes activités, nous, réalisation nous, et présenter une partie de bilan fonds pendant et passage pendant 2 ans, 8 mois. Activités à moi, elles sont réussites, parce que surtout nous avons plus jeunes qui présentent aujourd'hui. Et j'aime dire là, et ma reprendre encore, toute connaissance c'est à travers le livre qui traversait, et le livre là, c'est un bon amitié pour jeunes gagner, pour apprendre à lire. Et c'est à partir de savoir ça qu'on est capable de nous faire de changement de développement économique et social pays. Bon, c'est un bon message. Mais ça, là, surtout, c'est une 30e édition qui a parlé de la pensée sociale haïtienne. Même sujet et conseil au centre de jeunes à lire, à puiser texte littéraire, texte sur pensée sociale haïtienne, pour comprendre profondeur histoire pays, pertinence et qui place nous gagner dans l'humanité aussi. Parce que je dis à ce 15 août, il y a 14 août, Bois Caïman, qui traduit une histoire de soulèvement des esclaves qui portait un porteur d'espoir à l'humanité par rapport avec soulèvement qui était fait contre l'esclavagisme en société. C'est-à-dire que c'est un moment pour nous ressourcer, nous aller à la source de pays, de histoire, nous, et pour nous comprendre continuer aujourd'hui et qui nouvelle trajectoire pour nous prendre un changement en alternative dans la société. Merci. Ça fait 3e participation, nous, mais cette fois-ci, Anessa, nous plus présents, non pas seulement dans le temps, c'était à propos financier là, mais nous présents en termes de connaissances, en termes de support, en termes de kiosque pour nous ouais, qui réalisation et qui activité nous fait davantage. Professeur à l'université, c'est toujours métier. Je ne vais pas quitter, même si nous avons fonction publique, personnel public, je dis. Mais premier métier, moi, c'est l'enseignement, et particulièrement l'enseignement supérieur, et c'est du cap toujours bâton de l'ESP. Merci.